Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un grand jour. À l'air libre fête sa 50e. Merci donc d'être fidèle au rendez-vous. Avec moi aujourd'hui, Fabien Escalona. Bonjour Fabien, quel est ton programme ? Bonjour Mathieu. Eh bien, dans mon plateau, on va parler d'Hong Kong, puisque l'épidémie, ça a été aussi une occasion pour certains États de raffermir leur tutelle sur certains territoires, sur certaines populations. C'est ce que Pékin est en train d'essayer de faire vis-à-vis de Hong Kong. On va en parler avec François Bougon et Tamara Lui. Auparavant, tandis que la France vire largement au vert du point de vue sanitaire, d'autres zones rouges pointent les zones rouges sociales. Explosion historique du chômage, on en parlera avec notre invitée Marie Lacoste, elle est directrice d'une maison des chômeurs à Toulouse. Nous partirons ensuite dans le Nord à la rencontre d'une femme prénommée Marico. Elle vient d'être élue maire de Tilloy-les-Marchiennes, une petite ville de 550 habitants. Elle est aussi la première maire transgenre de France. Interview dans À l'air libre. Et puis, en écho à ton plateau sur Hong Kong, Fabien, avec Karl Lasqueux, journaliste à Mediapart, nous reviendrons sur le fameux laboratoire P4 à Wuhan en Chine, un laboratoire de recherche sur les virus inauguré par la France en 2017, laboratoire situé dans la ville même d'où est partie la pandémie et depuis des semaines au cœur de toutes les rumeurs. On fera le point avec lui. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos informations d'intérêt général. À l'air libre, numéro 50, c'est parti. La France se déconfine, il n'y a plus de zone rouge à forte circulation de virus, seule l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte restent en zone orange. Et le reste de la France est en zone verte. À partir de ce mardi 2 juin, les cafés, les restaurants vont rouvrir avec des règles particulières de distanciation. La vie culturelle et sportive reprend peu à peu. Mais sur le territoire français, ce sont désormais d'autres indicateurs qui virent au rouge, en l'occurrence ceux de l'économie et du chômage. Avec 209 000 personnes de plus inscrites à Pôle emploi en un mois, le chômage n'a jamais été aussi haut en France depuis 1996. Plus de 6 millions de demandeurs d'emploi, plus haut même donc que lors de la crise de 2009. Que l'on prenne la seule catégorie A, celle des demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé, ou les catégories A, B et C, intégrant donc ceux qui ont travaillé à temps partiel, ces nouvelles données illustrent un effondrement économique en cours et viennent confirmer que la contraction du PIB français en 2020 pourrait bien être plus élevée que ce que pense le gouvernement, écrivent nos collègues Dan Israël et Romaric Godin dans un article que vous pouvez lire aujourd'hui sur Mediapart et qui s'affiche en ce moment. Et ils s'inquiètent notamment du risque de ce qu'ils appellent une spirale dépressive. Je vais vous lire un extrait de leur article. Cette enquête de Pôle emploi, disent-ils, semble annoncer la mise en place d'une spirale dépressive que le maintien partiel des revenus pendant le confinement n'aura pas permis d'éviter. Et comme un avant-goût très inquiétant, le groupe automobile Renault a annoncé ce vendredi 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 600 en France. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Marie Lacoste, bonjour. Bonjour. Marie, vous êtes directrice de la Maison des chômeurs Avenir à Toulouse, en Haute-Garonne, et secrétaire nationale du Mouvement national des chômeurs et précaires. Marie, on a vu les chiffres de Pôle emploi. Quelle est l'ampleur de cette crise sociale qui vient pour vous dans la Maison des chômeurs à Toulouse? Est-ce que vous voyez une vague arriver? Alors, je suis comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que je ne mesure absolument pas l'ampleur que ça va prendre et dans quelle durée. Ce qu'on peut repérer déjà dans les associations de chômeurs qui sont membres de notre mouvement, c'est une sorte d'affolement des publics entre guillemets, déjà au chômage avant, qui connaissent nos structures et qui arrivent tous, alors pour des raisons variées, hein, ça peut être parce que lors du confinement, ils ont dû arrêter un certain nombre de démarches et que là, ils veulent reprendre très vite. Mais on a énormément de personnes qui viennent nous solliciter pour faire en urgence des CV parce qu'ils sentent bien qu'il va y avoir la course à l'emploi et que donc, il faut être les premiers sur les rangs pour espérer décrocher un travail quand les choses vont reprendre un peu le cours normal de leur vie. Voilà. Alors, votre mouvement, le Mouvement national des chômeurs et précaires, s'inquiète de l'arrêt dans les prochains jours de dispositifs d'urgence qui ont aidé à amortir le choc social, si on peut dire, d'ici là. Dans un communiqué qui a été publié hier, votre mouvement dit qu'il y a un mur du 31 mai qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui risque de se passer?
Mais ce qui va se passer, c'est que les solutions provisoires qui ont été proposées par le gouvernement, à savoir de permettre à des personnes qui arrivaient en fin de droit à compter du 13, du 15 mars, se voyaient leur droit prolongé, ben, le 31 mai, tout ça s'arrête. Donc les personnes qui avaient du chômage, qui touchaient du chômage par Pôle emploi, n'auront plus de revenus. Et donc, soit n'auront droit à rien parce que leur revenu précédent était trop important, soit vont être obligés de demander le RSA. Et donc, pour beaucoup de gens, ça va vraiment être une chute assez vertigineuse. Et donc, ça nous fait vraiment beaucoup d'inquiétude parce que ça va concerner en particulier les gens les plus précaires, ceux qui avaient des petits contrats, ceux qui avaient de faibles ressources, mais aussi des personnes qui avaient un chômage relativement stable, mais qui arrivaient en fin de droit et qui n'ont pas pu retrouver un travail en enchaînant, puisque bah, tout s'est arrêté. Quelles sont pour vous, pour votre mouvement, les mesures urgentes à prendre? Qu'est-ce que vous demandez précisément au pouvoir public dans les prochains jours, justement, pour éviter cette suspension, enfin, de droits qui ont été réouverts pour faire face à la crise? Alors nous, ce qu'on demande, c'est assez simple, hein. C'est d'abord une prolongation systématique de ces fameux droits pour tous ceux qui arrivaient en fin de droit, au moins jusqu'à la fin de l'année 2020. Et après, on avisera. Ça, c'est la première chose qui est importante. Mais il n'y a pas que ça. On a une nouvelle convention d'assurance chômage qui devait arriver en application au 1er avril et qui finalement a été repoussée au 1er septembre parce que, elle a des conséquences très importantes sur les modes de calcul du chômage et donc elle aurait impacté beaucoup de chômeurs. Et fortement, puisque en moyenne, la CEDIC avait, enfin, l'UNEDIC, pardon, avait évalué que ça concernerait, que ça amputerait en moyenne de 20% des allocations. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est que cette réforme, elle soit totalement annulée. Et également, celles qui ont été mises en œuvre au 1er novembre 2019, la partie de ces réformes qui ont été mises en œuvre au 1er novembre 2019, qui concernaient là, pour le coup, l'éligibilité au droit, c'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir travaillé 4 mois pour avoir droit au chômage. Depuis le 1er novembre 2019, il faut avoir travaillé 6 mois. On l'a vu, là, pendant la période de confinement, ça a fait que beaucoup de gens n'ont pas pu avoir droit à du chômage et ont été obligés de se reporter vers le RSA. Parce qu'il faut le savoir, on va avoir une augmentation très massive du nombre de personnes allocataires du RSA, et sans compter tous les intermittents du spectacle qui vont, pour partie, connaître le même problème. Donc, voilà, on a un problème massif, grave, très grave. C'est sans précédent, donc il faut une réponse qui soit, elle aussi, sans précédent. Et bien sûr, moi, j'ai une pensée pour les agents de Pôle emploi. Parce que là, c'est eux qui vont accueillir tous ces publics, tous ces 200 000 nouvelles personnes, c'est énorme, c'est 23% de chômeurs en plus. L'accueil se fait dans les agences de Pôle emploi. Donc, on a des gens qui, pour partie, n'ont jamais été au chômage. C'est des jeunes, hein, ce sera leur premier chômage. Donc, ils ont besoin d'être informés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être soutenus. Et donc, il faut renforcer les équipes de Pôle emploi parce que là, ça va être de l'ordre de la submersion dans les agences. Sans compter qu'actuellement, elles ne reçoivent que peu de gens. Moi, ici, je discute avec des agents de Pôle emploi, ils nous disent qu'ils reçoivent 5 personnes par jour. Par agence, ce qui est très très peu, hein. Donc il faut absolument Et ça va arriver. oui, il faut absolument que Pôle emploi voit ses moyens renforcés. Et puis il y a aussi la question du contrôle de la recherche d'emploi qui a été suspendue pendant le confinement. Il faut absolument qu'il n'y ait pas ce type de contrôle. C'est vraiment pas le moment, hein. C'est pas le moment d'être punitif. Il faut aider, accompagner, inciter, mais pas punir. Ça sert à rien, pas dans la Merci. période. Marie Lacoste, pas le moment d'être punitif, en effet, aider, accompagner. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice de la Maison des chômeurs Avenir à Toulouse, secrétaire Merci. nationale du mouvement des chômeurs et précaires. Merci à vous. À Merci. bientôt. Au Et revoir. nous partons maintenant dans le département du Nord. Avec nous depuis Tilloy-les-Marchiennes dans le Nord, nous recevons avec un grand bonheur aujourd'hui une autre Marie, Marie Co. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante informatique, vous avez 55 ans et vous avez été élue le week-end dernier maire sans étiquette de Tilloy, donc Tilloy-les-Marchiennes, une commune rurale de 550 habitants à 40 km de Lille, pas très loin de la frontière avec la Belgique, où vous vivez depuis 20 ans. Vous êtes donc désormais une des 36 000 maires de France et il y a une petite particularité biographique dans votre parcours. Vous êtes la première maire transgenre de France. Autrement dit, vous avez effectué une transition pour devenir tout simplement et pleinement la femme que vous avez toujours été. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marie. C'est moi qui vous remercie.
Marie, je l'ai dit, Tilloy, c'est une petite commune, une commune rurale. Pendant la campagne, vous n'avez rien caché de votre parcours personnel. Les habitants vous connaissent d'ailleurs très bien, puisque vous habitez là-bas depuis longtemps. Est-ce que pour autant, ça a été difficile d'être élu maire? Non, pas du tout, parce que les gens n'ont pas voté pour moi ou contre moi. Ils ont voté parce qu'il y avait une envie de changement. Et donc, j'ai été porté par cette envie de changement. On a monté un bon programme, une belle équipe. Et en fait, le fait d'être en genre n'a pas été du tout une question abordée ou importante. Les gens, ils ont vraiment regardé le projet. D'ailleurs, je crois que depuis que vous avez été élu, alors il y a eu de nombreuses félicitations, des messages d'affection, de soutien du monde entier. On va voir ces articles, par exemple, qui vous ont été consacrés. Hein. Quelques exemples seulement parmi beaucoup dans les médias internationaux. Ici, un article de la BBC. Il y a eu un article aussi sur le site de la chaîne américaine NBC News. Est-ce que cette vague de félicitations, de messages, vous a surpris? Oui, d'abord, ça m'a surpris parce que je pensais que ça allait faire un peu de buzz, mais plutôt local, peut-être un petit encart dans la presse spécialisée. Mais là, ça a été mondial, général, et surtout des reportages, des interviews extrêmement bienveillantes à mon égard. Ouais, ça fait très, très plaisir, ça fait chaud au cœur, et je pense que ça fait chaud au cœur de toute la communauté LGBT de voir qu'on pourrait avoir une vie normale, quoi, et être apprécié pour ce qu'on fait et pas pour ce qu'on est. À votre avis, pourquoi il a fallu attendre 2020 pour qu'une personne transgenre devienne maire en France, ou en tout cas soit élue maire en tant que personne ouvertement transgenre? Peut-être que si j'avais été une personne militante, il y aurait peut-être une réaction épidermique, mais comme ça n'a jamais été mis en avant, c'est le programme qui a fait bouger les gens. Pas ma personne. Donc le fait d'avoir été dans une normalité moi-même, en toute transparence, je pense que les gens, ben, ils ont adhéré. Peut-être que si j'avais été dans le militantisme LGBT, j'aurais rebuté certains, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est ma propre image de normalité qui a peut-être créé la normalité de la situation. Alors pour autant, il y a beaucoup de militants LGBT, de militants de trans, mais aussi de personnes transgenres qui ne sont pas militants, qui peuvent être victimes de discrimination, de violence souvent. La reconnaissance aussi du changement d'état civil reste encore difficile, hein. Il y a plusieurs étapes compliquées. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer, vous, au pouvoir public, sur la prise de conscience des violences, de toutes ces violences parfois administratives, parfois personnelles, qui peuvent s'exercer sur les personnes transgenres? Alors oui, il y a effectivement encore beaucoup de tracasseries administratives, autant vis-à-vis des services publics que des services privés. Bon, une bonne part sont dues à la méconnaissance. C'est rarement de la malveillance, je l'ai rencontré rarement. Bon, c'est souvent plutôt de la méconnaissance et les gens ils comprennent pas la demande. Parfois, ils rectifient eux-mêmes l'état civil pour remettre l'ancien état civil. Voilà, c'est compliqué, mais c'est souvent plus de la maladresse que de la malveillance. Et puis il y a quelques entreprises qui, elles, ou commerçants qui sont extrêmement bienveillants et qui pour eux ne posent pas de problème, quoi. Le plus difficile, c'est peut-être les milieux bancaires, parce qu'ils ont des contraintes de sécurité. Mmh. Et quand ils voient des choses un peu étranges sur les documents, ils pensent naturellement à l'usurpation d'identité. Donc c'est un peu légitime qu'ils soient un petit peu sensibles et réticents et qu'ils contrôlent plus que de raison en fait. Mais globalement ça va. Après la justice est toujours lente. La société est lente à évoluer, le gouvernement est lent à légiférer et la justice ou la part d'interprétation des juges reste importante et est encore souvent en décalage de phase avec la société. Donc effectivement... moi, j'ai rempli le dossier de changement d'état civil. C'est un peu laborieux. Bon, il est resté sur la table à cause de la pandémie. Peut-être qu'il avait pu passer avant, ça aurait évité ce buzz. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je pense que ma demande devrait être effectivement plus facile. Maintenant, je vais avoir cette chance-là, certainement à cause de la médiatisation. Mais voilà, c'est vrai que les lois sont encore très très difficiles à faire évoluer et c'est quand même dommage que la France évolue à cause des condamnations du Tribunal européen des droits de l'homme. À chaque fois c'est des condamnations, chaque fois on tord le poignet des pouvoirs publics qui sont toujours frileux, réactionnaires, alors que voilà, si le Tribunal européen des droits de l'homme dit que la
la France est condamnée, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est que le gouvernement français est dans son tort. Alors, les choses évoluent, mais toujours avec des pieds de plomb. Donc, c'est dommage, on fait perdre du temps, tout ça, c'est de la souffrance pour beaucoup de personnes. La transphobie reste extrêmement présente dans notre société, tout comme le racisme, tout comme les LGBT-phobies au sens large, donc les violences ou la peur ou la discrimination contre les personnes lesbiennes, gays, bi ou trans. Est-ce que vous pensez que votre élection peut être une petite pierre qui contribue à faire changer les choses? Ben, je pense que ça va plutôt exacerber les passions, je pense, les passions positives, mais aussi les passions négatives. Forcément, quelque part, je deviens un chiffon rouge pour une catégorie de personnes qui vivent dans la haine, hein, qui vivent dans la jalousie, la haine, le ressentiment, et tout ce qui n'est pas comme eux devient une cible. Donc, je pense qu'il va y avoir paradoxalement les deux. Vous avez reçu Autant, des menaces? Vous avez eu des problèmes depuis que Ah votre non, non, élection? pas du tout. Moi, non, parce que vivant en milieu rural, je suis préservé. Je vous avoue qu'il y a des secteurs dans les grandes villes où je ne vais pas. Voilà, c'est très très difficile. Je suis très très prudente là-dessus. Je sais que je prends un risque. Prendre les transports en commun ou autre est un risque, un peu comme les femmes le vivent. Simplement, moi, l'impact est forcément plus important parce que si les personnes se rendent compte que je suis transgenre, la violence est encore plus forte. Par ailleurs, la violence contre les personnes transgenres, elle se produit à la ville, à la campagne, elle peut se produire dans tous les milieux sociaux par ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est par ailleurs Voilà. extrêmement, extrêmement. Après, il y a une autre forme de violence qui est la violence institutionnelle. Je pense notamment aux transgenres qui sont en prison, Bien sûr. Qui ont le droit quand même d'avoir leur propre sécurité assurée, d'avoir leur traitement. Aujourd'hui, on met des personnes transgenres femmes dans des prisons pour hommes. Alors, soit ils ont le choix de servir d'objet sexuel pour les autres co-détenus, soit d'être mis à l'isolement définitivement et vivre comme une recluse. Donc, franchement, ça, c'est une violence qui est peut-être encore pire parce que c'est une violence d'État. Bien sûr. Donc là, il serait temps qu'on se penche sur ces cas-là. Une petite question pour la maire nouvellement élue que vous êtes. Il y a dans votre commune des commerces, des écoles. Quels sont les défis de Marico, maire de Tilloy-les-Marchiennes, alors que la France se déconfine? Alors, les enjeux court terme, évidemment, c'est l'ouverture de l'école. Il y a pas mal de familles avec des enfants. C'est important pour nous de redémarrer l'école dans de bonnes conditions, de redémarrer l'économie. Il ne faut pas se leurrer. Si l'économie ne démarre pas, il y aura beaucoup de souffrance, il y aura du chômage, il y aura des difficultés pour beaucoup de familles. Donc, il faut redémarrer au plus vite. Ça, c'est important. Après, on a aussi des problèmes purement administratifs, le budget, toutes des choses qui sont restées en suspens à cause de la pandémie et que l'ancienne équipe n'a pas pu traiter. Donc voilà, il y a un peu un court terme, je dirais, opérationnel. Et puis après, l'objectif, c'était de faire connaître le village. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit connu mondialement aussi vite. Hein, donc, Voilà, c'est bien. Ça a surpris tous les habitants, mais agréablement surpris pour une fois qu'on parle un petit peu. Un petit village comme un modèle de démocratie, de bienveillance et d'intelligence, hein, parce que voilà, ils ont été au-delà des clichés. Donc ouais, c'est sympa. Donc ça va, c'est fait, c'est coché. Maintenant, il faut démarrer les projets du village. Donc on a une belle ambition de redynamiser ce village. C'était un peu l'idée, voilà. Oui, redynamiser le village, mais dans une cohérence globale. Qui rejoint les enjeux nationaux, bien sûr, qui est le développement durable, l'économie, création d'emplois. Réconcilier l'environnement et l'agriculture. Voilà, en fait, arrêter les clivages et rassembler les gens. Alors, une toute et petite aujourd'hui, question, bah... pardon, je voulais terminer parce qu'on va arriver vraiment à la fin. Une toute petite question pour les gens qui vous écouteraient et qui. Il y a beaucoup de gens, quand on dit personne transgenre, soit ne comprennent pas, soit tordent le nez, soit veulent détourner le regard. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à travers cette émission? Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez leur faire passer? Ils vous voient, vous parlez, vous êtes une personne lambda, voilà, vous êtes venu d'être élu maire. Est-ce que vous avez un petit message en 30 secondes à leur passer? Bah, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. De la peur naît la colère, l'agressivité. Nous sommes des personnes normales.
On est même souvent, on met beaucoup de couleurs et de gaieté souvent dans la ville. Les gens m'apprécient beaucoup, hein, j'ai beaucoup d'amis. Et une fois qu'ils ont passé la surprise, ils m'apprécient. Donc voilà, arrêtez d'avoir peur de personnes qui ne sont pas des dangers, y compris, je pense, à certains radicalistes qui pensent que, voilà, on veut aller dans les toilettes des femmes, c'est pour agresser les femmes. Non, on veut simplement être tranquille. Voilà, on est des personnes plutôt douces et plutôt calmes. On demande juste le droit de vivre notre vie, de sortir de cette prison. Et un peu que les haters nous laissent tranquilles, quoi. Voilà. Donc, Droit et d'être. surtout, donc, n'ayez pas peur, Ouais. soyez vrai, soyez vous, et vous verrez, la prison principale, c'est celle que vous vous créez vous-même. Et le droit d'être soi-même. Merci beaucoup, Marie. On Voilà, laisse à vos merci à vous. occupations, donc nombreuses, de nouvelles élues. Vous n'en manquez pas en ce moment. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée, au revoir. Bonjour, Karl Lasker. Bonjour. Tu es journaliste au pôle enquête de Mediapart et avec le journaliste Jacques Masset, tu viens de signer sur Mediapart donc trois articles consacrés au fameux laboratoire de Wuhan en Chine, le laboratoire de haute sécurité P4 de l'Institut de virologie de Wuhan, conçu par la France et inauguré en 2017. On voit les articles s'afficher pendant que nous parlons. Laboratoire au cœur de toutes les rumeurs, hein, depuis ces dernières semaines, certaines affirmant que le coronavirus se serait échappé de ce laboratoire assez secret, précisément situé dans la ville chinoise Wuhan, où a démarré la pandémie. Karl, dans un des articles que tu as écrit, tu racontes, je cite, la folle histoire de ce laboratoire. Pourquoi utilises-tu cette expression de folle histoire? Qu'est-ce que ce laboratoire P4 dont tout le monde parle en ce moment? Alors, c'est une folle histoire parce qu'au fond, c'est l'histoire d'une coopération imposée par un industriel qui s'appelle Alain Mérieux, qui est basé à Lyon, qui est une personnalité importante du monde pharmaceutique, hein, et par ailleurs aussi du monde financier, puisque c'est la 16e grande fortune française. Donc Mérieux qui a réussi à imposer, au fond, aux autorités françaises la création de ce laboratoire en Chine qui avait, lui, des intérêts, y compris industriels, en Chine, et qui a, au fond, forcé la main, tordu le bras des autorités françaises qui étaient opposées à ce transfert de technologies très sensibles à un pays qui est, comme on le sait, je veux dire, opaque, non démocratique, et dont le transfert, je dirais, présentait un certain nombre de risques. Alors, une des révélations justement de ces articles, en effet, c'est que l'administration de la Défense, notamment, était extrêmement sceptique sur la création de ce laboratoire. Pourtant, ça s'est fait et sous plusieurs gouvernements qui sont de gauche et de droite jusqu'à l'inauguration en 2017. Raconte-nous un petit peu ce parcours et cette opposition au sein même de l'État, de certaines administrations de la Défense. Voilà, alors initialement, donc il y a ce lobbying d'Alain Mérieux et il y a un renversement un peu des choses au moment de l'épidémie du SRAS en Chine, donc en 2003, où Mérieux là obtient un argument de poids pour dire il faut collaborer sur la question des maladies émergentes avec la Chine. Et c'est vrai qu'il y a un sujet légitime. Néanmoins, les administrations qui étaient déjà opposées au transfert technologique et qui, on peut dire, mettaient un feu rouge à ce transfert technologique pour des raisons politiques et de sécurité, cette fois, doivent s'incliner devant la décision du président Chirac. Et donc, pendant une quinzaine d'années, ce projet va être un projet qui va être au cœur des discussions franco-chinoises et je veux dire, qui va passer finalement en force aux grandes dames des administrations, parce que les administrations vont continuer à objecter qu'il y a quand même des difficultés au niveau des normes, il y a quand même des difficultés au niveau de la sécurité. Les normes chinoises sont spécifiques, la Chine doit se plier aux normes internationales, elle ne le fait pas complètement. Et derrière, il y a le bras de fer continu, je dirais, il y a toujours le lobbying d'Alain Mérieux qui s'exerce, Alain Mérieux qui va devenir le copilote, le président co-président du comité de pilotage du groupe franco-chinois chargé de cette coopération. Et Alain Mérieux qui va obtenir, y compris dans les années 2009-2010, enfin plutôt 2010, la tête de plusieurs fonctionnaires qui continuent à dire, mais attendez, la sécurité n'est pas
complètement garantie tant que la Chine ne met pas ses règlements et sa législation en adéquation avec l'usage de ce type de matériel. Donc ça, c'est le bras de fer central. Après, il y a d'autres considérations qui entrent en jeu, notamment pour une partie des fonctionnaires liés à la défense, enfin, en fait, pour, je dirais, liés à la sécurité nationale et internationale. C'est les doutes qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un laboratoire par nature qu'on désigne sous le nom de double usage, qui peut avoir de doubles usages, et donc qui peut effectivement être pris en main par l'armée et par des militaires. D'ailleurs, par l'armée chinoise, c'est ça dont tu parles. Par l'armée chinoise, oui. Mais il y a effectivement une utilisation militaire, y compris en France. Il faut savoir qu'il y a deux laboratoires P4 en France, un à Lyon chez Mérieux et un autre dans la région parisienne sous l'autorité de l'armée à des fins défensives. Hein, c'est-à-dire qu'on va, l'armée va développer des programmes, étudier les virus, etc. Mais il n'est pas exclu, et c'est pour ça que les services, je dirais, de renseignement ou les autorités militaires étaient réticentes, c'est qu'on a, avec un partenaire chinois, évidemment, potentiellement, des personnes qui vont avoir d'autres préoccupations, qui pourraient avoir aussi l'idée, par exemple, de dupliquer ce laboratoire à des fins militaires, par exemple, utiliser cette technologie que nous transmettons à d'autres fins la prévention des maladies émergentes. Alors, Oui, pardon. Vas-y. Donc, c'est là qu'en effet, les interrogations de l'administration française étaient particulièrement importantes et le reste. Que sait-on de ce qui se passe précisément dans ce laboratoire depuis qu'il a été inauguré en 2017? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on manipule des virus? C'est quoi qu'on y fait à l'intérieur? Et visiblement, ce que tu racontes aussi, ce que vous racontez, c'est que les Français eux-mêmes, l'administration française, ne sait plus trop exactement ce qui se passe malgré les engagements des Chinois d'une vraie coopération. Voilà, alors déjà, le laboratoire a été inauguré en présence de Bernard Cazeneuve donc en 2000, en tant que Premier ministre en 2017, début 2017. Et à ce moment-là encore, il annonce qu'un programme de coopération qui va se poursuivre, etc. Et notamment l'INSERM responsable de l'INSERM annonce qu'il y aura. Que 50 scientifiques vont coopérer avec le laboratoire, que ça va ouvrir un champ important à la lutte contre les maladies émergentes. Et effectivement, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, quand on interroge l'INSERM nous dit bien il n'y a plus de regard sur ce laboratoire depuis son inauguration, c'est-à-dire depuis 3 ans. Il y a un fonctionnaire détaché à l'ambassade, au consulat de Wuhan qui est censé rapporter des choses, surveiller, entre guillemets, l'avancée de cette coopération, mais en gros, la France n'a plus d'informations sur ce qui s'y fait. Ça ne veut pas dire qu'on y prépare, le laboratoire soit entré dans des programmes militaires, mais de fait, il y a une opacité désormais totale sur ce qui s'y fait. On y travaille vraisemblablement comme c'était prévu sur Ebola, enfin sur des virus extrêmement dangereux puisque c'est l'objectif de ces laboratoires. Mais les autorités françaises ne peuvent pas répondre. Alors très tôt justement, à cause justement de cette opacité, ce laboratoire a été au centre de toutes les rumeurs. Il est dans la ville de Wuhan où le virus s'est déclaré. Des gens comme le professeur Luc Montagné, pionnier de la lutte contre le VIH, ont même affirmé sans précaution que le coronavirus aurait pu s'échapper du P4. On a d'ailleurs reçu à la rédaction de Mediapart, tu le sais, énormément de mails à ce sujet, de gens se posant des questions, hein, qui est très concrète. Carl, est-ce que c'est une hypothèse possible ou pas du tout? Alors non, maintenant c'est une hypothèse totalement écartée par les milieux scientifiques internationaux. Hein. C'est-à-dire qu'on a étudié au fond le virus, de nombreuses équipes ont étudié le virus, le SARS-CoV-2, pardon, et il en découle que, je dirais, il a suivi son évolution normale, c'est-à-dire qu'il fait, les chercheurs ont un arbre généalogique de tous les coronavirus et il s'inscrit parfaitement dans le prolongement, du SARS-CoV-1,
donc qui a provoqué l'épidémie du SRAS dans les années 2000, donc il y a plus de 20 ans. Donc on a quelque chose qui n'est pas du tout problématique de ce point de vue-là, et on peut écarter totalement l'idée d'une manipulation. Comment t'expliques justement que cette rumeur soit aussi insistante et quels arguments donner pour expliquer qu'elle n'est pas fondée ? Ben, je crois qu'à la lecture simple, à la lecture de toutes les études, enfin bon, on n'a pas tout lu, mais enfin pour cet article, on s'est plongé un peu sur les études qui ont été publiées. Il faudrait faire cette pédagogie-là, ce que fait d'ailleurs le chercheur de l'IRD qu'on a interviewé, Éric Leroy, c'est-à-dire qu'on expliquait qu'effectivement, les équipes scientifiques travaillent sur les séquences génomiques des virus et qu'on peut voir précisément, les filiations, précisément, en tout cas, on peut établir les parentés, les filiations, etc. Et donc aujourd'hui, par exemple, les recherches sur cette base d'archives génomiques, on a établi que le réservoir naturel, on a établi l'hypothèse que le réservoir naturel était la chauve-souris fer à cheval, entre guillemets, et en seconde hypothèse que le pangolin ait pu être un hôte transitoire. Mais tout ça est encore, pour le coup, une analyse, pas de laboratoire, mais même effectuée sur la base de prélèvement des chercheurs depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, on est sur de la recherche, là, qui n'est pas de terrain, mais qui est de la recherche d'archives. Les chercheurs vont engager, les chercheurs qu'on a interrogés vont engager là une campagne de prélèvement pour essayer d'en savoir plus sur, effectivement, l'apparition, la filiation, le passage à l'homme, comment s'est effectué le passage à l'homme. On n'arrive pas forcément à le déterminer, mais enfin, on arrive à déterminer quand même, j'ai l'impression, je ne suis pas scientifique non plus, les passages, les hypothèses de passage qui sont déterminantes. Finalement, de vos articles, ce qui ressort, c'est que la vraie histoire du P4, ce n'est pas ce que tu as dit, du coup, cette hypothèse qui n'est pas fondée scientifiquement de la fabrication ou du virus qui se serait échappé de ce laboratoire. Mais en revanche, c'est une histoire très intéressante parce que c'est l'histoire d'un dossier très politique, d'un transfert de technologie de la France à la Chine, dont finalement la France a perdu le contrôle, c'est ça ? Tout à fait, il y a une sorte d'aveuglement volontaire probablement depuis longtemps d'une partie du monde politique français à vouloir coopérer avec un État qui a tellement d'autres principes que ceux que l'on a, qui ne peut pas fondamentalement accepter un contrôle international sur son activité scientifique ou autre. On voit la difficulté qu'il a eu à mettre voilà. Donc il y a une opacité inhérente, il y a un système politique qui, par ailleurs, qu'on connaît, qui est répressif, un État parti qui contrôle tout. Donc cette idée que il était possible de réellement collaborer sur un domaine aussi sensible était quand même illusoire. Donc je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est d'expliquer l'aveuglement. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas fermé les yeux volontairement sur quelque chose? Merci beaucoup, Karl. On peut toujours donc lire ces enquêtes sur Mediapart. On te lit bien sûr sur le site. Et maintenant, si tu veux bien, on va écouter ensemble Noé. Il nous chante son titre Terre en partenariat avec l'ONU Environnement. Il jouera à l'Hippodrome de Longchamp dès le 28 novembre 2020. On espère que ce sera possible à cette date. On écoute. Salut, c'est la troupe de Noé pour Mediapart et on va vous interpréter le titre Terre. Ready? Thank you.
les messages que tu m'envoies. Bonjour à tous qui regardaient à l'air libre et pour ce nouveau plateau consacré à la pandémie comme prétexte des initiatives autoritaires des États. On l'a beaucoup documenté à travers différents exemples dans cette émission sur Mediapart. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un cas d'école, à un cas historique aussi. C'est la façon dont la Chine, le pouvoir central chinois, essaie de reprendre en main Hong Kong, hein, ce territoire qui avait été rétrocédé par les Britanniques à la Chine et qui, à ce titre, bénéficie de libertés qui sont ignorées en Chine continentale. Alors, l'année dernière, Mediapart avait documenté la mobilisation inédite de la population pour protéger ces libertés. C'est un combat qui continue, comme l'écrivait récemment notre correspondante Margot Clément. On va voir son article le plus récent s'afficher, que vous pouvez retrouver sur le journal, et elle racontait donc la manifestation contre un projet de loi dit de sécurité nationale sur lequel l'Assemblée populaire de Chine a officiellement décidé de travailler ce 28 mai. Alors, pour en parler avec moi, j'accueille Tamara Lui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante d'origine hongkongaise et à vos côtés, François Bougon. Bonjour. Bonjour. Bonjour au-dessus. François. Voilà, coordonnes tout le pôle international à Mediapart et dans une ancienne vie, mais pas très lointaine, tu as été correspondant, journaliste correspondant en Chine. Alors, on va écouter ensemble le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine qui commente donc le fait que cette Assemblée va écrire ce projet de loi. On l'écoute. Lors de cette session, décision a été prise d'établir un système juridique et un mécanisme d'application de la sécurité nationale pour la région administrative de Hong Kong. Cette mesure maintiendra et améliorera la politique dite d'un pays deux systèmes. Elle est conforme à la Constitution et à la loi fondamentale de Hong Kong. Elle est dans l'intérêt de tous les Chinois, y compris ceux de Hong Kong. Alors François, j'ai choisi cette vidéo non seulement parce que le pouvoir justifie hein, ce projet de loi, mais aussi parce qu'il est question de la notion d'un pays, deux systèmes. Il prétend donc que ça viendra conforter cette notion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça recouvre vraiment, un pays, deux systèmes ? Alors un pays, deux systèmes, c'était dans... Alors il faut comprendre, il faut revenir un peu à l'histoire de ce qu'a été Hong Kong. Hong Kong, c'était donc une colonie britannique depuis le milieu du 19e siècle, mais qui a toujours été considérée comme faisant partie du territoire chinois par les nationalistes chinois, que ce soit le Kuomintang ou bien les communistes. Pendant des années après leur victoire en 1949, les communistes ont considéré qu'il n'était pas primordial, en tout cas, il n'était pas prioritaire de récupérer Hong Kong. Alors que dans le discours, ça restait quand même un sujet très important, puisque c'est un sujet de revendication, c'est un sujet qui touche à ce que les Chinois appellent l'humiliation nationale et face aux Occidentaux, face aux colonisateurs. Quand la Chine a commencé à s'ouvrir à la fin des années 70, sous l'égide de Deng Xiaoping, la priorité, c'était de récupérer Taïwan. Et donc, les Chinois, le Parti communiste chinois, commençait à réfléchir à une solution qui permettrait, non pas en utilisant la force, mais par des moyens pacifiques, de récupérer Taïwan. Ça ne s'est pas fait puisque les nationalistes ont refusé la formule, mais cette formule de un pays, deux systèmes a été utilisée par la suite pour les discussions entre les Anglais et les Chinois pour pouvoir récupérer Hong Kong. Alors, c'est quoi le cœur de cette idée qui a été qualifiée par Margaret Thatcher d'ingénieuse ? Et Deng Xiaoping lui disait que c'était le produit du marxisme dialectique et du matérialisme historique. Alors, l'idée, c'est d'avoir une enclave capitaliste dans un pays socialiste. Donc, c'est un pays, c'est-à-dire la Chine, et deux systèmes, un système socialiste et un système communiste et un système capitaliste. Très bien. Alors, Tamara, Louis, pour vous, cette loi là, ce projet de loi qui va être élaboré, dit de sécurité nationale, en quoi est-ce qu'il consiste et est-ce qu'il met en danger
selon vous, justement, cette notion d'un pays de système, au-delà de la différence de régime économique qu'on peut discuter, parce que pour le coup, l'économie politique chinoise a beaucoup évolué, mais surtout, ça permettait aussi à des libertés politiques de subsister à Hong Kong. Donc, est-ce que ce projet de loi, pour vous, il remet en cause de façon frontale ces libertés qui subsistaient ? Alors, effectivement, la question est assez complexe pour faire comprendre. Surtout, pour l'instant, on n'a pas le détail de ces lois parce qu'il est juste voté depuis hier et que dans les jours à venir, sans doute, on aura le plus de détails. On le sait à peu près le cadre de cette loi, c'est-à-dire que Pékin autoriserait créer une sorte de force d'ordre d'une façon à Hong Kong pour essayer de contenir et trouver ou arrêter les gens, toutes ces personnes qui soient dans l'espace public, dans le réseau public, qui a des discours sur la sécession, sur l'ingérence étrangère, et sur le terrorisme et surtout la subversion contre l'État central. Donc ça, c'est le cadre de cette loi. Comment pour exécuter ça, est-ce qu'il y aura une force d'ordre créée de la part du gouvernement central s'installera à Hong Kong? Est-ce que la personne sera extradée de Hong Kong vers la Chine? Donc c'est toute une question de l'année dernière, le mouvement en contestation contre la loi extradition. Comme la loi n'a pas été votée, du coup, peut-être il n'y aura plus la question d'extradition, et peut-être sera jugée à Hong Kong. Donc tout ça, ça reste assez flou, mais rien de que l'annonce pour dire qu'il y aura une loi sécuritaire version hongkongaise, c'est-à-dire qui applique spécifiquement à Hong Kong, ça crée déjà une sorte d'appréhension, presque la peur, et que presque il y a une sorte d'affolement au sein de la population hongkongaise. On a l'impression que le pouvoir chinois, qui était quand même très mal à l'aise avec la contestation démocratique qui se développait à Hong Kong, trouve à l'occasion de l'épidémie à la fois une occasion ou des ressorts où se sent plus sûr de lui pour peut-être en finir une bonne fois pour toutes avec ce mouvement. François, est-ce que c'est un peu caricatural la vision que j'offre là, ou est-ce que oui, l'épidémie et la fragilité des autres États, notamment les États-Unis, qui sont en proie à de grandes difficultés, eh bien, incitent les dirigeants chinois à aller encore plus loin? Alors, pour répondre à ta question, je voudrais juste apporter deux, trois points d'éclairage sur ce qu'on a dit précédemment. Le un pays, deux systèmes, cette formule, elle est censée fonctionner pendant 50 ans, donc jusqu'en 2047, à partir de la rétrocession. Donc, en fait, c'est une période assez déterminée. Pour comprendre la situation actuelle, je pense qu'il faut qu'on ait, pour comprendre la situation à Hong Kong, il faut qu'on ait trois dynamiques à l'esprit. La première dynamique, c'est la dynamique propre de Hong Kong. C'est quoi ce territoire? C'est un territoire avec une histoire bien particulière, qui est à la fois une alliance entre un peuple qui est profondément chinois, en fait, puisque à 90%, ça a toujours été chinois, ça n'a jamais été une colonie de peuplement, et donc avec un côté très chinois, une identité chinoise, mais en même temps, une identité qui n'est pas l'identité chinoise du continent, puisqu'elle a eu l'habitude d'avoir un règlement d'état de droit, etc., etc. Il ne faut pas oublier que ça a été quand même une colonie, donc les Britanniques ont mis beaucoup de temps à lancer des réformes démocratiques. C'est à la fin de leur présence qu'ils ont commencé à lancer des réformes démocratiques. Donc c'est un peuple qui n'a jamais eu le droit de parler, et ça continue encore aujourd'hui. Donc ça, c'est la première dynamique qui est interne. Il y a la deuxième dynamique qui est une dynamique purement chinoise, la dynamique de Pékin. C'est-à-dire, qu'est-ce que représente Hong Kong pour la Chine aujourd'hui? Ça représente quelque chose d'assez fort d'un point de vue économique, puisque ça a toujours été, dans les premiers temps, c'est grâce à Hong Kong que la Chine se modernise. Les capitaux viennent de Hong Kong. Les contrats se font à Hong Kong. Donc ça, économiquement, c'était très important. C'est encore très important encore aujourd'hui. Et symboliquement, c'est important. Pourquoi? Parce que dans le discours nationaliste que Xi Jinping a aujourd'hui encore plus, et encore plus que Deng Xiaoping, cette notion d'humiliation
de racheter l'humiliation, en fait. Le Parti communiste est là pour racheter l'humiliation. On ne va pas, permettre aux Occidentaux de recommencer à nous humilier. Donc voilà. Ouais, et le dernier point… Qui avait humilié la Chine tout au long voilà, du donc tout 19e le discours siècle. Sur les 100 ans d'humiliation coloniale. Et donc, récupérer Hong Kong, c'est un discours symbolique très fort. Et le troisième point que je voudrais souligner pour essayer de comprendre ce qu'est Hong Kong, parce que c'est une question très, très complexe, le troisième point, c'est l'élément géopolitique, c'est l'élément du contexte international. Et aujourd'hui, Hong Kong est un point de tension très, très fort dans une confrontation croissante entre la Chine et les États-Unis. Donc, vous avez ces trois éléments qui sont assez distincts, mais qui réunis expliquent la crise à laquelle on assiste aujourd'hui. Alors, Tamara, je vous laisse réagir à ce que vient de dire François Bougon et à cette idée, d'après le tableau qu'il a adressé, selon laquelle l'épidémie aurait ou pas accéléré peut-être la façon dont Pékin veut reprendre en main et arrêter les frais avec cette mobilisation qui est scrutée par une partie du reste du monde. Oui, mais effectivement, c'est-à-dire qu'instaurer une loi à Hong Kong par le gouvernement central, ce n'est pas si évident que ça. En fait, la loi fondamentale, qui constituait comme une mini-constitution, en plus, Hong Kong, il a ses propres parlements, c'est ce qu'on appelle l'EJCO, ce sont les législateurs qui votent les lois, qui discutent les lois, comme n'importe quel parlement dans le monde entier. Donc, une loi instaurée par le gouvernement central, normalement, qui n'aura pas lieu à Hong Kong, sauf que dans la mini-constitution, la loi fondamentale, il y a un annexe. Dans l'annexe 3, il est marqué, stipulé, que la loi instaurée en Chine peut appliquer à Hong Kong par la promulgation ou par le travail législatif, si les peines étaient suffisamment très lourdes. Donc, il faut voter, rediscuter par les députés. Sauf que cette fois-ci, cette loi, avec toutes les peines qui sera appliquée, sans doute, il va passer par le législateur. Donc, législation, il aura une place très importante dans ces discussions. Or, l'année dernière, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que la loi d'extradition n'a pas eu lieu l'être, c'est parce que le Parlement n'a pas la deuxième lecture, il y a les manifestations dans la rue. Donc, cette fois-ci, l'annonce, ça fait beaucoup de bruit, effectivement. Ça crée la chute de la bourse le jour même, ça crée beaucoup de tensions entre la population et le gouvernement, et surtout envers le gouvernement central. Mais l'application, ça reste quelque chose de très flou. Et surtout, c'est un moment, en tout cas, tous les Hongkongais, il y aura une lecture aussi. La première lecture, c'est que le gouvernement chinois a été renforcé, sa légitimité, par la victoire de lutte contre le Covid, par la rapidité, par l'efficacité. Donc, à la fois, les Hongkongais pensent que le gouvernement chinois n'a plus de patience, vu l'année dernière tout ce qui s'est passé à Hong Kong, et que c'est ça mieux de dire qu'on saute l'étape, on va oublier la loi extradition, on va instaurer une loi sécuritaire, c'est ça appliqué. Ça se voit d'une manière par les Hongkongais, en tout cas interprété, il y a deux manières. Premier, le gouvernement chinois a perdu la patience. Deuxième chose, c'est l'échec total d'un pays, de ce système. C'est-à-dire, ça annonce la fin d'un pays, de système, l'ingérence, c'est-à-dire le gouvernement chinois, qui carrément met la main au plein milieu de Hong Kong. Ouais. Alors, parlons justement des Hongkongais eux-mêmes. On sait qu'ils ne sont pas forcément, ils ne pensent pas tous de la même manière, mais en tout cas, le mouvement avait un écho quand même très très large dans la population, le mouvement démocratique. J'évoquais tout à l'heure l'article qu'on a passé dans Mediapart où on racontait la dernière manifestation. Peut-être François, sur cette manifestation de dimanche dernier, comment juger de son caractère massif ou pas? Parce qu'on n'est pas dans les étiages énormes qu'il y avait eu en 2019. En même temps, comme on l'a dit, on est dans une situation épidémique, les gens ne sont pas censés se rassembler. En général, ils sont d'ailleurs plutôt disciplinés pour respecter les consignes sanitaires, qu'ils soient pro-démocrates ou pro-Pékin. Donc,
Voilà, à quel degré de réussite on peut estimer la mobilisation qu'il y a eu jusqu'à présent sur le terrain, et on reviendra ensuite avec Tamara sur les autres réactions que ça suscite dans la société. Ce qu'on peut dire, c'est que les mobilisations, en tout cas le fait de s'engager, le fait de manifester, de plus en plus difficile à Hong Kong. Donc vous avez, on a une répression qui est de plus en plus féroce, des gens qui sont, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, des gens ont été envoyés, notamment Jimmy Lai, qui est le chef d'un grand groupe de presse plutôt anti-Pékin, a été envoyé devant la justice. Vous avez de plus en plus une répression judiciaire et policière très très forte. Donc c'est manifester aujourd'hui à Hong Kong est très courageux. Ça peut vous emmener derrière les barreaux. Pourquoi ? Parce qu'on peut vous accuser, par exemple, d'avoir participé à un rassemblement qui est considéré illégal. Mais un rassemblement considéré illégal, c'est juste parce que la police ne vous a pas autorisé à manifester. Donc, vous n'êtes pas en capacité d'utiliser votre droit de manifester. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi on assiste aujourd'hui ? En fait, on assiste, c'est vrai, à la fin progressive d'un pays de système, de manière assez brutale. Mais ça montre aussi les contradictions de ce un pays, deux systèmes. Et pourquoi ? Parce que depuis 1989 et depuis les événements de Tiananmen et la répression de Tiananmen, Hong Kong avait été une base très très forte de soutien et aussi d'accueil des dissidents vers l'étranger. Et depuis lors, les Chinois ont une obsession, sont obsédés par le fait que Hong Kong, pour eux, ne doit pas devenir une base de subversion des forces étrangères et que ça ne soit pas utilisé pour renverser le Parti communiste chinois. Et vous avez cette référence-là en permanence dans le projet qui va être examiné par le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Et vous avez aussi cette idée-là dans l'article 23 qui était prévu par la mini-constitution de Hong Kong, qui n'a jamais pu être appliquée, en fait. Et ça, aujourd'hui, les Chinois ont décidé que, voilà, ils en avaient marre, ils veulent que ce soit appliqué, ils veulent qu'il y ait une loi sur la sécurité nationale, ils veulent qu'on puisse poursuivre tous ces gens qui manifestent, tous ces jeunes. Il y a beaucoup de... Vous parliez de mobilisation. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une coupure générationnelle de plus en plus forte, et notamment les jeunes défendent de plus en plus ce qu'ils considèrent comme étant leur manière de vivre, ce qu'ils considèrent comme étant une identité, un nationalisme hongkongais face à l'emprise croissante de Pékin. Ouais. Et tu évoquais Tiananmen, il y a bientôt la commémoration de cet événement de répression. Voilà. Et Hong Kong était un des rares territoires où c'était encore possible de cultiver la mémoire d'un événement qui est totalement effacé des livres d'histoire, si j'ose dire, par Pékin en Chine continentale. Tamara, on évoquait les manifestations, ça c'est ce qui est le plus visible vu d'Occident, on a des images, on sait à peu près ce qui se passe, mais quelles sont les autres sortes de réactions, vous qui êtes en contact avec différents réseaux, différentes personnes de Hong Kong, comment réagissent les gens? Vous me disiez quand on préparait cette émission que certains jeunes justement se disent peut-être que c'est le moment de partir, en fait, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il va falloir s'exiler. Voilà, qu'est-ce que vous percevez comme signaux de ces réactions de la population ? Effectivement, chaque fois qu'il y a une tension sociale aussi, aussi grandissante dans une société, on a l'impression que la société divise en deux, le noir et blanc, le pour et contre. En fait, la société est beaucoup plus complexe que ça. La majorité des gens à Hong Kong qui restent au milieu, c'est-à-dire qui essaient de maintenir le statu quo. C'est le statu quo, maintenir l'environnement favorable à l'économie, aux finances, ne discute pas le politique. C'est la même configuration, même au sein de le député. On a l'impression qu'il y a un camp pro-Pékin et un camp pro-démocratie. En effet, ce n'est pas si clair que ça. Parmi les pro-Pékin, les députés pro-Pékin, il y a certains qui sont au plein milieu. Je peux citer une personnalité très importante. C'est elle qui l'a déclenché, c'est-à-dire c'est elle, à cause d'elle, qui a les premières manifestations à Hong Kong, à 2003. C'est elle qui voulait faire voter la loi, l'article 23. Il était l'époque équivalent de ministère de l'Intérieur à Hong Kong, s'appelle Regina Yip. C'est une femme. C'est assez rare quand même voir une femme politique engagée et qui occupe une place très importante. Deux mots sur elle, c'est-à-dire qu'il est deux fois essayé d'être sélectionné, d'être candidat, se porter candidat pour le chef exécutif. Deux fois, elle a échoué. Donc la deuxième fois, c'est Carrie Lam qui a été élue. Donc à 2003, Regina Yip, qui l'a proposé de voter ces lois, article 23,
Et c'est reconnu qu'aujourd'hui, l'époque, c'était mal préparé, il y a peu de consultations auprès des populations. Et aujourd'hui, j'avoue que récemment, j'ai lu pas mal des articles sur elle, et c'est mordé un peu les doigts. Peut-être il disait que si 2003, on a passé cet article 23, il n'y aura pas tous les problèmes d'aujourd'hui. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, elle a fait partie de certains députés qui sont au plein milieu, c'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir gardé la liberté d'expression, le droit de vote, le droit de voter pour les députés ou pour l'élection locale, en même temps qui comprend un peu aussi la réticence de Pékin, c'est-à-dire que l'envie de garder ses mains mises à Pékin. Donc, il y a pas mal de députés qui restent au milieu, comme beaucoup de populations qui restent au plein milieu, pour dire que, est-ce qu'on peut arrêter tous ces querelles politique, surtout les manifestations depuis l'année dernière, ça passe depuis 6 mois, donc le commerce a été tellement tarie et surtout perturbé. Alors pour les jeunes, effectivement, c'est une génération. Hong Kong, il y a 2 générations, comme François disait, c'est générationnel. Il y a ceux qui sont nés avant 97, comme moi, il y a ceux qui sont nés avant 97. Donc, ceux qui sont nés après 97. Ouais, l'année de la rétrocession. Exactement. Donc, ils n'ont pas vécu la colonie britannique, ils ne connaissaient pas l'époque glorieuse, c'est ce qu'on dit de l'époque. Donc, il y a eu méconnaissance sur la Chine. Il y a aussi qu'ils sont tellement influencés par le Facebook, par les réseaux sociaux. Donc, il y a une revendication, c'est-à-dire une envie de garder ses libertés tellement forte. Ils sont plus partants pour garder à tout prix cette liberté. Donc, ces jeunes-là, pour eux, c'est ceux qui sont dans la rue l'année dernière, on le voit. C'est ceux qui sont habillés en noir, qui essaient de provoquer les réactions de police. Il y a une majorité des personnes, des gens comme de mon âge, ils essayent de chercher tous les moyens, s'ils peuvent quitter Hong Kong, c'est ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, il y a plusieurs vagues d'immigration au Canada, dans le pays anglophone, et récemment, la dernière vague d'immigration, de partir s'exiler, c'est vers Taïwan. Or, Taïwan, c'était le Taïwan, c'est presque le dernier oasis, dernier refuge pour les Hongkongais. Ils parlent chinois, il y a la culture chinoise, mais c'est un endroit, si on dit c'est un pays, je vais me faire taper les doigts par le communiste chinois. Ils ont élu leur deuxième fois la présidente locale. Taïwan devient un lieu Eldorado pour le Hongkongais. Surtout, ils ont reçu beaucoup d'exilés, des jeunes, depuis l'année dernière, qui sont chassés par la police. Donc voilà, la société est très divisée. Je ne peux pas dire que divisée en 2, mais plutôt voire 3 ou 4 parties différentes. François, deux dernières questions parce que le temps file. Je tenais quand même à signaler que justement, dans le calendrier électoral prévu, les Hongkongais sont censés voter pour le conseil législatif, le corps législatif, en septembre. François, on avait documenté, bien sûr, sur Mediapart, le récent succès du camp pro-démocratie, avec toutes les nuances qu'on peut imaginer, mais quand même un certain succès aux élections locales, bon, avec peu d'incidence concrète sur la réalité du pouvoir. Mais là, est-ce qu'il y a à nouveau une opportunité en septembre, ou est-ce qu'il y a énormément d'obstacles institutionnels qui font qu'il n'y a pas grand-chose à attendre non plus de cette consultation ? Il y a beaucoup d'inconnus. Déjà, il y a cette loi. Alors, la loi, elle va suivre son cours. Selon les spécialistes, elle pourrait être adoptée d'ici fin août. Toute la question est de savoir comment la population de Hong Kong va réagir. Est-ce que ceux qui ont manifesté en 2019 vont de nouveau descendre dans la rue ? Donc voilà, c'est une inconnue qui est assez forte. Sur la question de l'élection, en tout cas au Conseil législatif, ça, c'est le cœur aussi du problème. C'est-à-dire que toutes les promesses qui avaient été faites et qui étaient contenues dans la loi fondamentale, mais aussi dans la déclaration commune sino-britannique de 1984, c'était quand même d'accorder à un moment donné le suffrage universel. Ça, c'est le but ultime. La difficulté, c'est que Pékin reste sur une définition qui est la sienne du suffrage universel et de la désignation du chef de l'exécutif et des parlementaires, c'est-à-dire totalement restreinte avec des gens qui lui sont dévoués. Donc en fait, ce à quoi on assiste depuis 1997, c'est des promesses qui sont sans cesse repoussées, une inquiétude de plus en plus forte des gens,
Et puis des élections où l'on voit quand même le triomphe régulier des forces démocratiques ou pro-démocratiques, et puis l'émergence aussi, c'est ce qu'il faut dire, depuis 2014, et une nouvelle mobilisation qui s'appelait le mouvement des parapluies, l'émergence, comme le disait Tamara, d'une nouvelle génération beaucoup plus combative. Alors, on connaît ici Joshua Wong, mais il y en a beaucoup, Nathan Lowe, etc. Et cette génération-là, elle a participé d'abord dans des mouvements pour s'opposer à ce que Pékin essayait de mettre en place, enfin, en tout cas ce que le gouvernement local essayait de mettre en place, qui était l'éducation patriotique, c'est de faire en sorte de transformer les jeunes hongkongais en des patriotes chinois. Et donc, ils se sont d'abord... leur baptême du feu, c'est d'abord ça, puis c'est des mouvements de 2014. Et donc, ils ont été dans l'arène politique en 2016, mais on a assisté à quoi ? On a assisté à leur disqualification. Pourquoi ? Parce qu'ils ont prêté serment d'une manière qui n'a pas du tout plu ni à l'exécutif hongkongais, ni à Pékin. Et donc, voilà, c'est un échec, c'est une impasse. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en septembre ? Si les élections ont lieu, on va sûrement voir peut-être... un triomphe des démocrates dans le contexte actuel, mais ça ne va pas résoudre la situation. Enfin, l'impasse politique, elle est là, la crise de gouvernance, elle existe toujours. Ouais. Un dernier mot, parce que les États-Unis ont essayé de provoquer une discussion aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le cas de Hong Kong. Évidemment, Pékin a dit non, on va pas discuter de ça. Est-ce que les Occidentaux et les États-Unis en particulier ont des moyens de pression significatifs pour empêcher cette reprise en main autoritaire de Pékin? Et surtout, est-ce que ça aiderait vraiment les Hongkongais? Tamara, je vous laisse le dernier mot sur cette question. Alors, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, c'est la dernière carte qu'on puisse jouer. Les jeunes qui peuvent espérer, c'est-à-dire que non pas essayer de mettre tout dans le même panier, plutôt jouer, sert l'étranger comme un levier, le rôle de levier, essayer de faire balancer, changer la décision de Pékin. Alors, le levier, c'est quoi? Tout à l'heure, François disait que Hong Kong qui bénéficiait d'une taxe très bas de l'importation, une place financière favorisée accordée par aux États-Unis. Donc, depuis ces crises, entre la crise commerciale entre les États-Unis et la Chine, qu'est-ce qu'on peut attendre un peu tout à l'heure, la conférence de presse de Donald Trump? Trump, est-ce qu'il va annoncer quelque chose sur Hong Kong? Sans doute, en tout cas, le Hong Kong attendait énormément. Sur l'Union européenne, en tout cas, il y a beaucoup de discussions en cours. Il n'y a jamais rarement de concrètes. En tout cas, les Hong Kongais, en tout cas, les organisations civiques qui organisaient beaucoup de tournées dans le monde entier, essayaient de rassembler le maximum des alliés, des gouvernements qui essayaient de soutenir la cause hongkongaise. J'avoue que le marché manœuvre est si peu, mais néanmoins, c'est le Hong Kongais pour les jeunes, c'est le presque le dernier espoir qui peut jouer, faire basculer leur combat. Et François tout à l'heure disait un peu l'élection, effectivement, avant d'être élu, il pourrait avoir des candidats disqualifiés bien avant d'être participé, rentrer dans la course. C'était le cas de Joshua Wong à l'année dernière, à l'élection locale. Donc, effectivement, le gouvernement chinois a beaucoup de cartes à jouer. Il peut contrôler beaucoup de choses sur l'élection, sur le déroulement des élections. Donc, effectivement, pour les jeunes, ils cherchent à tout prix d'essayer de trouver sa force, la force de persuasion étant leur force d'organisation. Ils parlent anglais, ils peuvent voyager partout, il y a une force d'organisation très forte, ils savent utiliser tous les réseaux sociaux. Voilà quoi. Je pense qu'effectivement, ils savent que ça peut être une course perdue à l'avance, parce qu'à 2047, Hong Kong rentre complètement devenir un pays, un système. Mais ça reste encore plus de vingtaine d'années maintenir sa lutte. Très bien. Ben merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour nous avoir mieux fait comprendre ce rapport de force asymétrique, on l'a bien compris, entre la volonté de Pékin et puis la volonté des pro-démocraties, même si on a bien montré qu'il y avait des nuances, beaucoup de nuances dans la population hongkongaise vis-à-vis de tous ces événements. Je vous remercie tous les deux. Merci. Et sur Aller Libre, retrouvez tout de suite, pour terminer cette émission, nos amis les déconfinautes.
Tu m'entends? Ouais. Bon, allez, t'en avais parlé mercredi, on va pouvoir parler de Bigard aujourd'hui, c'est bon. Ouais, mais je sais pas trop en fait, parce que Viktorovitch il a fait la même chose. De toute façon, il prend toujours les mêmes sujets que nous, ça m'énerve. Ouais, mais moi j'ai un autre angle, on va faire plus intello. Plus intello que Clément Viktorovitch? Mais bien sûr. Bah, tu crois quoi? Moi aussi j'ai des lunettes. Aujourd'hui, on parle d'une éventuelle candidature de Bigard en 2022. Il y a Hanouna qui a déposé le nom de domaine Hanouna 2022. Moi, quand je vois ça, ça m'interroge un peu sur l'état de notre démocratie, hein. J'ai envie de dire, où va le monde? Bon, dans ce contexte, il y en a pas mal qui ressortent la comparaison avec le projet d'une candidature Coluche pour les présidentielles de 81. Et figure-toi que Bourdieu avait soutenu cette candidature, donc on va écouter Pierre Bourdieu et ce qu'il répond à des étudiants de Sciences Po Bordeaux qui l'interrogeaient là-dessus. J'ai soutenu le droit de Coluche à la candidature, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Et Coluche n'a jamais dit qu'il voulait être candidat, il a dit qu'il voulait affirmer le droit à être candidat. C'est très important, c'est pas un détail. Hein. Ouais, d'accord, il y a une nuance du coup. C'est tout ce que tu voulais nous dire, qu'il faut nuancer le soutien de Bourdieu à Coluche à l'époque. Non, c'est ce qu'il va dire après, tu vas voir, c'est très éclairant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais, j'espère que ça va pas être trop long en tout cas. Et je l'ai soutenu pour parce que ça me paraissait une façon de... Ouais, ok, ça va être long. Ça va être long si tu l'interromps tout le temps, oui. Non, écoute ce qu'il dit sur les partis politiques. En fait, c'est très actuel ce qu'il dit. Le développement de la forme parti fait que pour accéder à... pour accéder... enfin... Pour accéder à quoi? Mais écoute ce qu'il dit un peu, plutôt que de couper là. C'est Pierre Bourdieu, respecte Pierre Bourdieu, c'est une gloire nationale, merde. Non mais tu veux pas qu'on parle de Bourdin et de ses excès de vitesse plutôt? Mais non! Non, je veux pas! Moi j'appelle beaucoup à une intervention des artistes et des écrivains, surtout les artistes d'ailleurs, dans l'univers politique, parce que ils ont le talent de créer des happenings, enfin, des événements sensibles. Bon. Je ramène ma gueule, je chie sur le président et le président m'appelle. Ah oui, c'est un événement sensible, ça éclaire vachement la situation. Moi je trouve que oui, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce regard quand même. Non, pas du tout. On va parler de Bourdin. Bon, ok, Bourdin il roule vite, vroom vroom, voiture, oui alors? Non mais c'est intéressant, Bourdin il est revenu lui-même sur cet épisode dans son émission sur RMC. Mais va-t-il parler de son excès de vitesse, oui ou non? Oui, je vais en parler, et je vais en parler librement. Et là, Bourdin, il va ruser parce qu'il va prendre un auditeur. C'est courageux, il a pris un auditeur qui l'engueule un petit peu ou... Bien sûr que non. Bon, ça va, les redresseurs de tort, c'est bon quoi, c'est, ça arrive à tout le monde de faire un excès de vitesse. Ça arrive à tout le monde, voilà. Oui, grave, tu tapes jamais des pointes à 190, toi? Le problème des gens de gauche, c'est qu'on n'a pas des Audi A6 comme Bourdin, quoi. Le problème des gens de gauche, c'est que vous êtes envieux, voilà. Parce que regarde-moi cette bagnole, regarde-moi ce concentré de technologie. Une caméra là, au milieu, il y a un radar longue portée, ici, devant. Une autre caméra, là, encore. Un scanner laser, ça c'est une première mondiale. T'es jaloux parce que t'as pas de capteur laser, c'est tout, mais oui. Non mais... 190. Le gars allait à 190, même avec un capteur laser, c'est interdit. D'abord, l'autoroute était absolument vide à l'horizon, il n'y avait pas une voiture. En pleine ligne droite, le temps magnifique, je voudrais le préciser. Donc je ne risquais que pour moi, j'étais seul dans ma voiture. Et il répond quoi, là, Clément Viktorovitch, hein? Parce que l'argument de « il faisait beau temps », je suis désolé, mais c'est imparable. La rhétorique en PLS. Ouais, puis en plus, Viktorovitch, il a une tête à louer des trottinettes électriques, ou pire, à faire du vélo. Mais oui, ces élites déconnectées qui comprennent plus le vrai peuple comme Bourdin, qui va dans sa résidence secondaire et qui revient dans son Audi à 80 000 balles, voilà, ça, c'est le vrai peuple! Alors, non, il y a des Audi A6 à partir de 50 000 euros, c'est pour les revenus modestes. Oui, le plaisir de conduire, ça existe encore. Finalement, il y a une unité dans l'épisode. Bourdin, Bigard, c'est deux populistes de droite qui se veulent être la voix du peuple. Alors qu'en fait, ils sont riches. Ouais, je te trouve un peu méprisant avec le peuple quand même. Mais c'est pas le peuple, ils sont blindés, les deux, ils ont plein de thunes. Ouais, mais j'ai compris, c'est du mépris de classe. Mais c'est pas du mépris de classe, ils font pas partie des classes populaires, putain, les deux, non, là. Non, mais on a bien compris que tu n'aimes pas les petits, tu n'aimes pas les sans-grades, c'est bon. Mais c'est pas des sans-grades, c'est des bourgeois un peu beaufs. Non, mais Hanouna, Bigard, et même le professeur Raoult, ou des gars comme Bourdin, tous ceux qu'on nous présente comme des gens du vrai peuple, c'est que des mecs blindés. Tu veux dire que même parmi ces gars-là, il y a personne du vrai peuple? Il y a pas un pauvre, non? Donc finalement, des pauvres vont se retrouver à finir par voter pour un riche, là, un nouveau candidat, il y aura un nouveau truc, mais faut croire que faut que tout change pour que rien ne change.
Voilà, la 50e d'Aller Libre, c'est fini. Merci Fabien, à la semaine prochaine. Merci Mathieu, à très vite. Je vous rappelle les deux adresses pour nous écrire, allerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. Abonnez-vous à Mediapart, vous savez que nous vous informons grâce aux abonnements exclusivement. Et portez-vous bien, bon week-end, profitez bien.